l'État est une mission majeure. C'est une première dans l'histoire de l'humanité, tout simplement. C'est la première fois que, non seulement des Européens, mais une agence spatiale pouvait atterrir sur une comète. 80% des instruments ont pu fonctionner. Et les données scientifiques sont telles qu'il faudra une décennie pour exploiter toutes ces informations et conforter ou infirmer les modèles que l'on a dans le développement de nos planètes et notre système solaire. L'orbiteur a fourni 2 ans d'observation et Rosetta a fourni plus de 3 jours d'observation. 80% des instruments ont fonctionné. Donc c'est, de ce point de vue, une réussite. Technique également, à part la surprise qu'on a eue en rebondissant sur un sol beaucoup plus dur que ce qu'on pensait, toute la navigation a été faite de main de maître. Et la qualité du satellite lui-même a été une prouesse technologique. C'est quelque chose qui, je pense, peut faire la fierté des Européens, véritablement.